a pu décider d'affecter un peu le monde entier. Et Rodrigues aussi n'est pas épargné dans cette situation. Et samedi dernier, nous recevons un patient venant de quelqu'un venant du Bénin de la Réunion qui avait un air chaud et haute température. Et nous avons fait un suivi avec ce patient-là. Et nous avons cherché du sang, nous avons envoyé son laboratoire central à Candes, au Yard Hospital. Et heureusement, ça a été testé négatif. Et nous avons convoqué une réunion avec tous les stakeholders, toutes les personnes concernées, travaillant à l'aviation et à Mauritius, le pont et la police. Et toutes les personnes, et nous avons réuni, nous avons guetté un peu le protocole qui nous avait en place établi et pour qu'il nous évite que le coronavirus arrive à Rodrigues. Suite à la réunion d'hier, nous avons initié, nous avons identifié un place que nous faisons une quarantaine. Aussi demain, nous avons un passager avec un coronavirus qui nous prend le métier à Baladirou, un bâtiment qui vient d'être construit par la commission de la jeunesse. Et là, nous avons tous les nécessaires qui passagers de plus rien à l'aéroport pour prendre notre température, comme c'est le protocole. Maintenant, est-ce que ça vient de s'officier à l'aéroport? Nous avons un nursing officiel avec pour prendre des températures. Et aussi, à partir de mardi, nous mettons un médecin aussi à l'aéroport pour tous les vols qui arrivent, même de Maurice. On ne peut pas épargner, comme on va dire, et, mais nous espérons qu'il nous faut sortir indemne. Et nous espérons qu'il nous prenne un cas comme on est né samedi dernier avec des personnes qui venaient de la Réunion. Ou même des Maurice avec plein de fautes. Yeah.